Good morning, allez, Iden, les tutsures aujourd'hui, le Nishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther, Moshe ben Mechor Yaakov, et Richa bat Chaim Nechemia. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Tzvachim, Perek Aleph, Mishnah Bet, Yossi ben Choni Omer, Anishchatim Leshem Pesach, ou Leshem Chatat Psulim, Shimon Achi Azaria Omer, Shchatan Leshem Gavoa Me'en Kshirim, Leshem Namoch Me'en Psulim, Keitzad. קודשי קדשים ששחטן לשם קדשים קלים פסולים, קדשים קלים ששחטן לשם קודשי קדשים כשרים. הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים כשרים, שלמים ששחטן לשם בכור, לשם מעשר פסולים. On va continuer dans notre Mishnah à parler du sujet qu'on avait déjà ouvert dans la Mishnah Aleph, à savoir, un korban doit être égorgé en son nom et pas au nom d'un autre korban. Je m'explique. On a appris qu'il y a plusieurs sortes de korbanot, de sacrifices, qu'on doit offrir à différentes occasions. Il y aura des différences selon ceux qui sont invités à les consommer. Est-ce que personne ne consomme, mais uniquement le misbéar, parce qu'on en donne un petit peu à manger au Kohanim. Est-ce qu'on en donne aussi à manger au Israël? Il y a plusieurs types de korbanot, des grandes familles. Il y a depuis... Non, on apprendra tout dans Ezo Mekomen Shazvachim, le Perek 5, que ceux qui méritent d'arriver à l'heure à Beth Knesset, alors lisent tous les matins les korbanot, et là-bas il y a le Perek de Ezo Mekomen Shazvachim, où justement le chapitre va classer tous les différents korbanot selon leur importance, leur niveau de Gdusha. Plus, de manière générale, plus il y aura des halachot strictes, à savoir, quant au sang à asperger, ou l'asperger, est-ce qu'on doit l'asperger dans le Kodesh HaKodeshim, ou dans le Echal, ou est-ce qu'on doit l'asperger uniquement sur le Mizbeach, et même quand on l'asperge sur le Mizbeach, de quelle manière? Est-ce qu'on l'asperge sur les quatre coins du Mizbeach qui sont en haut, ou bien est-ce que c'est en bas? Est-ce qu'on va donner quatre fois du sang, ou est-ce qu'on va en donner juste deux fois ou une fois en versant uniquement, selon la manière de faire le sang, et les personnes qui vont être invitées à le consommer? Alors on va classifier les korbanot, pour définir qui est le plus kadosh et qui est le moins kadosh. Ça, c'est l'introduction générale qu'on réutilisera pour la suite de la Mishnah. Pour notre propos maintenant, concrètement, par rapport au début de la Mishnah d'abord, on apprenait donc dans la première Mishnah que chaque korban doit être égorgé, a priori, en son nom. Si je viens faire un korban hola, celui qui l'égorge doit penser qu'il est en train d'égorger une hola. Ou même penser à rien, ça marche encore. Mais en tout cas, ne pas croire qu'il est en train d'égorger un shlamim au moment où il égorge un hola, une hola. Ne pas croire qu'il égorge un korban toda, un hacham, un khatat. Ne pas s'embrouiller. Parce que s'il se trompe, il va tantôt invalider le korban, tantôt le korban va être kasher, certes, on va pouvoir continuer à verser son sang, éventuellement même le donner à manger au kohanim ou même au Israël, mais malgré tout, le propriétaire ne s'acquittera pas de son devoir d'apporter un korban, par exemple. Si j'ai un devoir d'apporter un hacham, j'ai transgressé une faute sur laquelle je suis passible d'un korban hacham, je viens offrir mon hacham au Beth Amikdash, le Kohen, pendant qu'il égorge, il se met à penser qu'il est en train d'égorger une hola. Alors, certes, les Kohenim pourront éventuellement consommer la chair de ce korban hacham, on pourra continuer à verser son sang, mais je ne me suis pas acquitté de mon hacham. Je devrais apporter un autre korban hacham, parce qu'elle a été égorgée chez le Lishmo. À la différence du khatat, c'est que si j'ai apporté un korban khatat, et que pendant qu'il égorgeait, il s'imaginait qu'il était en train de dégorger un korban hacham, par exemple, il s'est embrouillé, il pensait que c'était un shlamim, peu importe. Alors, dans ce cas-là, on apprenait que le korban, il est complètement invalidé, même les kohanim ne pourront pas le consommer, on ne pourra même pas continuer à verser son sang sur le misbéaf, à continuer toute la vodot, on interrompra tout, on le sortira au bêta des chaînes. Ça, c'est ce qu'on apprenait dans la première Mishnah. On avait appris dans la première Mishnah, maintenant, qu'il y avait deux exceptions à la règle, à savoir le korban khatat et le korban pesach. C'est les deux exceptions qui nous disent que si j'égorge un korban khatat en pensant à un hacham, je ne m'acquitte pas du tout. Le korban il est devenu complètement invalide. Idem pour le korban Pessah dans l'après-midi du 14 Nissan. C'est le moment d'apporter le korban Pessah. Si pendant qu'on l'égorge, le Kohen pense qu'il est en train d'égorger un shlamim, eh ben, il a invalidé le korban, on interrompt tout, on le sort au bêta des chaînes, on doit apporter un nouveau korban complètement. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la première Mishnah. Dans la deuxième Mishnah, maintenant, on va voir tout de suite Yossi ben Choni, qui va nous faire la réciproque. Au même titre que si tu égorges un korban khatat en pensant que c'est un hacham, tu as invalidé le korban. Eh bien, si tu as égorgé un hacham en pensant que c'est un khatat, tu l'as invalidé. Idem avec le korban pesach. Au même titre que si tu égorges un korban pesach en pensant que c'est un shlamim, tu l'as invalidé. Si tu égorges un shlamim en pensant que c'est un korban pesach,
Celui-là aussi invalidé. C'est une réciproque, c'est déduit. On ne va pas trop rallonger pour expliquer, parce que d'abord, même moi, j'ai du mal à comprendre la svara de Yossi Ben Chroni. Elle a rapporté ici dans le Tifrat, dans le Tosot Yom Tov. Elle rapporte la Gemara. C'est une svara très subtile que, pour le moment, pas même le temps de rentrer dans le coaching. En tout cas, je ne comprends pas la finesse de cette svara. Donc, je me contente de répéter ce qu'il a écrit. Et la halakha n'est pas établie comme Yossi Ben Chroni. On le fait ça dans les mots tout de suite. Yossi Ben Chroni. Yossi, le fils de Chroni. Je crois que c'est Chroni Amagel. Bon, on ne va pas ranger sur le sort de Chroni Amagel. On prie en son, dans les Yamim Noraim, quand on fait le Saradim, comment ça s'appelle, la tfila qu'on fait, Veha One, quand on commence dans Yom Kippour, on dit Veha One, Veha Chroni Amagel. Chroni Amagel, c'était lui, ce fameux Chroni Amagel. Il y a toute une histoire dans Maseret Ta'anit. Yossi Ben Chroni Omer. Yossi Ben Chroni dit Anishratin Leshem Pesach. Les sacrifice que l'on va égorger au nom d'un corban Pessah, entre parenthèses, dans l'après-midi du 14 Nissan spécifiquement, bien sûr. Ou l'échem khatat, ou que l'on égorge en tant que khatat, psulim. Soit, comme ce qu'on a dit, la réciproque. Au même titre que le corban Pessah, tu égorges à quelque chose, en pensant à quelque chose d'autre, tu ne t'es pas acquitté, tu l'as invalidé. Si tu égorges quelque chose d'autre en pensant au corban Pessah, tu l'as aussi invalidé. Idem aussi avec le khatat. Ensuite, Shimon Afri Azaria Omer. Shratan Leshem Gavoa Mehen Kshirim Leshem Namor Mehen Psulim. Deux choses. D'abord, une petite histoire jolie. Shimon Achi Azaria. C'est quoi cette histoire de qualifier Shimon au nom de son frère? Shimon est le frère de Azaria. Toujours on dit, on mentionne le fils au nom de son père. On dit, Rabbi Shimon Ben Yochai Yossi Ben Choni, le fils de Choni. C'est quoi cette histoire de rapporter quelqu'un en disant que c'est le frère de l'autre? La Gemara rapporte, ça rapporte dans Barthénora, elle nous raconte que Azaria, c'était le frère de Shimon. Ce tzaddik là, il a dit à son frère Shimon, tu sais quoi, toi tu vas étudier la Torah, moi je vais partir faire du commerce. La moitié de ce que je gagne, je te le donne, et toi tu étudies la Torah, et la moitié de ta Torah, elle m'appartiendra. Shimon, il a accepté, et donc ils ont fait ce tnaï, c'est comme le fameux Yisachar et Zvulun, voilà, on l'a dans la Mishnah. Donc du coup, la Mishnah rapporte les paroles de Shimon, mais il faut savoir, attention, Shimon, le frère de Azaria, c'est-à-dire, il se partage le mérite de cette Mishnah, d'accord ? De cette Mishnah, de tous leurs enseignements, en fait, de toute leur Torah, parce qu'ils ont fait donc cette condition, de cet accord de Issachar et Zvulun, de faire moitié-moitié. Concrètement, qu'est-ce qu'il nous apprend Shimon Achi Azaria? D'abord, je traduis la règle, après on réexplique. Shratan Leshem Gavoa Mehen Kshérim, s'il les a égorgés pour quelque chose qui était au-dessus d'eux, ils sont kachers. Leshem Namor Mehen Psulim. S'il les a égorgés pour quelque chose qui est inférieur à son niveau, il est interdit. Soit, il va nous donner une règle par rapport à celui qui égorge un korban chez lo lishmo, au nom de quelque chose d'autre. Jusqu'à maintenant, on avait parlé spécifiquement du khatat, ou du pessah, ou du korban hacham, selon Rabbi Eliezer dans la première Mishnah. Shimon Achi Azaria, lui, il va nous faire une hiérarchie qui va classer tous les korbanot en trois groupes. Les kodshe kadashim, les kodashim kalim, et le bechor et maaser. C'est-à-dire, kodshe kadashim, c'est ce qu'on appelle les saints des saints, les super saints. Les korbanot, ils ont une halakha bien particulière, essentiellement qu'il faut toujours les égorger au nord, dans la partie nord de la Hazara. Et Shritatan Batsafon, Kodesh Kadashim, Shritatan Batsafon, ceux qui lisent le Perek He, le de Ezum Mekomet Shezavachim avant la Tfila, alors ils voient qu'il y a écrit là-bas Kodesh Kadashim, Shritatan Batsafon, tout ce qui est Mugdar comme, tout ce qui est défini comme un Kodesh Kadashim, essentiellement la Ola, le Khatat et le Hasham. Trois types de korbanot. La Ola, c'est le locus qu'on offre entièrement pour Hachem. Le Khatat, c'est ce qu'on a déjà évoqué même dans la Mishnah de Horayot, que l'on apporte lorsqu'on a fait une grave transgression sur laquelle on est passible, Bemézid, volontairement, on est passible de karet, de retranchement. Lorsqu'on transgresse Beshogeg, on doit apporter un korban Khatat. Et le Hacham, c'est sur six fautes particulières qu'on aura l'occasion d'évoquer plus tard. Tous ces trois-là s'appellent des Kodshe Kadashim. C'est le niveau le plus haut de korbanot. En dessous d'eux, il y a ce qu'on appelle les simples Kodashim Kalim, donc les Shlamim, à inclure dedans le Korban Toda, et El Nazir aussi sont inclus dans les Kodashim Kalim. Ils sont des Korbanot simples. Ils ont une particularité, c'est qu'il faut verser leur sang en ce qu'on appelle Shtaim Shehen Arba. Il faut donner du sang sur les quatre coins du Mizbeach, mais en le versant de deux manières. Comment? Le Kohen s'éloigne du coin, et il jette avec le Mazrek, et il jette le sang comme ça, il asperge le sang arrive et touche les deux coins, il va ensuite de l'autre côté du Mizbeach, il fait la même chose, il fait la même chose de l'autre côté aussi. D'accord?
Donc l'asperge deux fois, Shtaim Shanarba, donc en fait, il doit donner du sang sur les quatre coins du Mizbeach. À la différence des Kodashim, des autres Kodashim Kalim qui sont le Bechor et le Maaser, c'est l'aîné des animaux qu'il faut donner au Kohen, et le Kohen l'apporte au Beth Amikdash. Il l'égorge, ensuite il mange lui-même la chair. Ce Kohen mange la viande de cet animal, ce qu'on appelle le Bechor, et le Maaser, c'est le dixième. Cette fois-ci, lorsque j'ai mon troupeau j'ai eu 10 nouveaux moutons qui sont nés cette année-là, je dois prélever un dixième que je garde, mais lorsque je monte à Yerushalayim, je l'égorge, j'en fais le korban maaser et je le mange avec une certaine doucha. Ça, c'était pour le maaser. La particularité du bechor et du maaser, c'est que on ne donne le sang que on verse uniquement un petit peu de sang sur le socle du mizbeach et on s'acquitte. Donc regardez, c'est un Kodashim Kalim qui a un niveau encore très inférieur par rapport aux, autres Kodashim Kalim, puisqu'on ne donne qu'un seul Matan Damim. On ne verse qu'une seule fois du sang sur le Mizbar. Il a un niveau inférieur. D'accord. Donc en fait, on a trois niveaux. Niveau 1, c'est le top, c'est les Kodashim. Niveau 2, c'est les Kodashim Kalim classiques. Et niveau 3, c'est Bechor HaMaaser. Eh bien, il va nous enseigner maintenant Shimon Achi Azaria, lui, son avis, il est que si tu vas égorger un korban pour quelque chose de supérieur, tu vas te tromper, tu crois que tu égorges quelque chose de plus sain, alors tu t'as acquitté de... Ton korban est kasher. Est-ce que tu t'as acquitté ou pas, c'est discuté, ça va porter dans le Tosafot Yom Tov. Mais en tout cas, le korban est encore valide. À la différence que du cas où tu égorges le korban pour quelque chose d'inférieur, où le korban sera complètement invalidé, il faudra tout interrompre et aller le brûler aux bêtes à déchets. D'accord. Donc il a des autres règles. Il n'a plus, lui, la différence avec le Khatat El Pessah uniquement, mais il classifie les korbanot en trois niveaux. Si tu égorges pour quelque chose de plus, c'est kasher. Quelque chose de moins, c'est inférieur. C'est déduit d'un pasouk qui a marqué « Ve lo yachalelo et koshé ben Israël et asher yarim ou l'Hashem ». Ils ne profaneront pas les sacrifices, les kochim, des Bnei Israël et asher yarim ou l'Hashem, ceux qu'ils prélèveront pour Hashem. Il déduit là-bas que « Bemura mehem en mitralelin ». Il déduit dans la tournure des mots qui ont été utilisés pour te dire que si tu l'élèves plus, il ne sera pas profané. Si tu le descends de son niveau, il sera profané. Donc de ce fait, si le niveau 2, tu l'égorges en tant que niveau 1, c'est cachère. Si le niveau 2, tu l'égorges en tant que niveau 3 ou niveau 1 en tant que niveau 2, alors il sera invalidé. On fait ça dans les mots maintenant. Shimon Achi Azaria Omer, Shimon le frère d'Azaria nous dit « Shratan l'Hashem gavoa mehen ksherim » s'il a égorgé les korbanot au nom de quelque chose qui était au-dessus d'un niveau plus saint, kacher, il est kacher. Entre parenthèses, kacher ça veut dire quoi? Que le korban il est valide, ou même que l'on sait que le propriétaire s'est même acquitté de son devoir, c'est une question de la Gemara qui apparemment n'est pas répondue. L'Hashem d'Amour Mehen Psoulim, par contre, s'il a égorgé pour quelque chose d'inférieur à lui, il sera complètement pasoul, il faudra tout interrompre, aller le sortir au Beth Adeshen, là, à l'endroit où on va brûler tous les restes des korbanotes qui ont été invalidés. Keitzad, comment il est le cas? Il nous explique. Kochi Kadashim Shishratan Hashem Kadashim Kalim Psoulim, des top de Gdusha, des super Kadosh, Kochi Kadashim, les saints des saints, hein? Ouais, les trois, Ola, Khatat Fasham. Shishratan Hashem Kodashim Kalim, il les a égorgés pour quelque chose qui avait un niveau 2, qui s'appelle des Kodashim Kalim, des Kodashim des saints inférieurs, ouais, un degré inférieur de sainteté, psoulin, ils seront invalidés. Par contre, si c'est Kodashim Kalim, Shishratan Hashem Kodashim Kalim, et si c'est des Kodashim Kalim, par contre, de niveau 2, des niveaux de sainteté allégés, qu'il a égorgé au nom de Kodesh Kodeshim, au nom d'un niveau supérieur, Kshirim, ils seront kachers. Et idem aussi, à Bechor va Maaser, Sheshratan Hashem Shlamim, s'il y avait un Bechor va Maaser, c'est ce qu'on appelle le Bechor, l'aîné, et le Maaser, le dixième, qui était le niveau 3, qu'il a égorgé Sheshratan Hashem Shlamim, il a égorgé au nom d'un Korban Shlamim, qui est le niveau 2, alors Kshirim, le Korban sera kacher, avec la même question, kacher et on pourra le consommer, ou même kacher, au point même d'acquitter le Béalim, le propriétaire. C'est la même question qu'on a évoquée précédemment. Et si c'est Shlamim, Sheshratan, Hashem Bechor, par contre, si c'est des Shlamim, un Korban Shlamim, le niveau 2,
chez Shratan et Hashem Bechor, qu'il a gorgé en tant que un, ou encore le Shem Maaser, c'est la même chose, qu'il a gorgé en guise d'aîné ou en guise de Maaser, de dixième, alors dans ces cas-là, il sera Pasoul, le Korban sera invalidé parce qu'il a égorgé au nom de quelque chose d'inférieur. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Otzlacha, Kol, Tuv, Selah.